Tata. Titou, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Bien, bien. Alors, que faisons-nous aujourd'hui? On fera quelque chose de très très important. Qu'est-ce qui peut être si important? Je suis sûre que l'on va manger des bananes. Oh là là, Titou, tu ne penses qu'aux bananes. Aujourd'hui, on fera le sapin de Noël. Ça s'appelle le sapin de Noël. J'ai une idée, Tata. Que penses-tu si on accroche une banane sur le sapin? Écoute, et si on accrochait une banane jaune ici et là une verte? Attends un petit tout, tu ne penses qu'aux bananes? Allez, arrête de rigoler et viens accrocher les décorations avec moi. D'accord, je te ramène les décorations. Et toi, tu les accroches. Très bien, Titou. Tiens, voilà les décorations et les guirlandes. Tu peux commencer à les accrocher. Merci beaucoup. Donne-les-moi maintenant. Oh là là, tu as fait tomber la balle. Bah tant pis. Tiens, prends ce Père Noël. Oh, tu l'as encore fait tomber? Concentre-toi bien, Tata. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas. Tiens cette belle étoile et accroche-la. J'espère que cette fois-ci, je ne la ferai pas tomber. Ah, tu l'as aussi fait tomber? Tata, tu n'arrives ni à la balle, ni le Père Noël, ni même l'étoile. Bah moi j'ai faim. Je vais aller manger des bananes. Je te laisse te débrouiller avec les décorations. Titou, Titou! Attends! Oh, Titou est parti en me laissant seule. Je vais m'occuper des décorations. Je vais essayer d'accrocher l'étoile. Oh non, j'ai encore fait tomber l'étoile. Ce n'est pas possible que je n'arrive pas à accrocher les décorations. Pourquoi je n'y arrive pas? Tata, Tata, c'est qui ça? C'est toi, Titou, qui m'appelle? Mais non, ce n'est pas la voix de Titou. Non, Tata, ce n'est pas la voix de Titou. Qui es-tu? Comment tu as pu monter si haut? Je suis l'étoile merveilleuse. J'ai une étrange histoire à te raconter. Quelle histoire? Et pourquoi moi? Je viens te raconter mon histoire. Je ne comprends pas pourquoi tu tiens autant à me la raconter. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Et ton histoire ressemble beaucoup à la mienne. Comment ça? Elle lui ressemble? Je suis là. Et j'ai ramené un demi-kilo de bananes jaunes et vertes. Titou, Titou, tu n'as pas remarqué quelque chose? Franchement, je n'ai pas fait attention.
Tout ce qui m'attire, ce sont les bananes. Bon, jette un coup d'œil derrière toi. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose? Jette encore un coup d'œil derrière toi. Encore une fois? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Titou, viens, ne pars pas. D'abord, dis-moi qui es-tu et je ne partirai pas. Titou, c'est une étoile et elle est venue pour me raconter son histoire. Ah 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 ah. Une histoire? Quelle histoire? Il n'y a que moi qui sais raconter des histoires. Titou, Titou, attends, attends une seconde. Venez, venez, je vais vous raconter mon histoire. À l'époque, j'étais une petite étoile qui ne faisait rien du tout. Et soudain... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Venez, venez, vite. Regardez avec moi l'étoile qui est à l'Orient. Oh, c'est une étoile si étrange. Oui, c'est vrai. Une étoile si grande et si étrange signifie forcément quelque chose. Signifie quelque chose? Que veux-tu dire? Bien sûr, bien sûr. Il y a certainement une signification. Nous sommes des mages et nous étudions les étoiles. Que voulez-vous dire? Que signifie la présence de cette étoile? Je suis sûre que cette étoile signifie la naissance d'un grand roi. Un roi? Qui est ce roi? Il n'y a personne d'autre à part Hérode qui peut être au courant. Bon, allons demander au roi. Allons-y, allons-y! Tu étais très belle quand tu étais petite. Qui sont ces gens? Et pourquoi ce sont eux qui t'ont vue? Ce sont les rois mages. Ils étudient les étoiles. Oui, mais j'aimerais bien savoir quel était ton rôle. Tu étais quand même une petite étoile. Comment ça? Quel était mon rôle? C'est moi qui les ai guidés vers un endroit très important. À quel endroit les as-tu emmenés? L'endroit où l'on trouve des bananes, par exemple? Ah 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 ah! Titou, tu ne penses qu'à tes bananes? Non, Titou, je les ai guidés à l'endroit où se trouvait Jésus. Après, ils sont partis poser la question à Hérode. As-tu des informations sur un roi ou quelqu'un de très important qui va naître? Il leur dit, non, allez-y, surveillez cette étrange étoile et dites-moi où va-t-elle vous emmener. Oh, ça fait un petit moment qu'on marche. Que veux-tu qu'on fasse? On est obligé de suivre l'étoile jusqu'à qu'elle nous indique l'endroit où le nouveau roi est né. Il faut aussi qu'on lui présente les cadeaux qu'on lui a apportés. L'or, l'encens et la myrrhe. Oh, regardez, l'étoile s'arrête. Oui, elle s'est bien arrêtée. Vite, vite! Dépêchons-nous d'aller à l'endroit où l'étoile s'est arrêtée pour voir le nouveau roi. Allez, allez! Tu sais, étoile, les rois mages ont fait tout ce chemin à pied pour trouver l'endroit où l'enfant Jésus est né. Évidemment, leurs pieds leur ont fait mal. Oh là là, Titou, à quoi penses-tu? C'est grâce à toi, étoile, que les rois mages ont pu connaître l'endroit où se trouvait l'enfant Jésus. Tu as vu, Tata, comment Dieu m'a réservé une très bonne surprise et moi qui croyais comme toi que j'étais inutile. Mais moi, étoile, je voudrais voir l'enfant Jésus dans l'étable. Venez, venez. Bienvenue, enfant lumière, bienvenue, ton cœur éclaire.
Qui nous a permis de faire cette grande journée.